Le 31 août et le 1er septembre, à Montjoie-en-Couserans, le Réveil des Cairns, le Short Festival, vous amènera au XIIIe siècle. Samedi 31 août, à 11h, inauguration officielle et messe des pèlerins de Saint-Jacques. Apéritif, concert, dînatoire avec Lizzie Ling. Oh, et si l'on vive assis, on aura plus de style en vivant là-bas. À 15h30, Ménestrel avec Willy Berlu et à 17h30, Vielle médiévale avec Andol en concert. Bal, concert et spectacle se mêleront dès 21h30 avec les troubadours en balade. Le dimanche 1er septembre, nombreux stands, métiers et ateliers sont au rendez-vous avec également démonstration de tir à l'arc. À 22h30 se déroulera un son et lumière sur le fronton de l'église de Montjoie. Les deuxièmes journées médiévales et patrimoniales avec le Short Festival médiéval le 31 août et 1er septembre à Montjoie. Retrouvez l'intégralité du programme sur les flyers dans les points d'information. J'ai envisagé le réveil, j'ai envisagé
travailler, vous tester les formes. C'est pas forcément. Ça va avancer. Tu n'es pas obligé de te visualiser. Tu vas faire ta forme au ciseau et la ligne va juste servir à pour la finition. On va dire, ouais, ouais, c'est une. C'est une voilà. We'll be right back.
bon tout le monde. Hein. Avec Laetitia, hein, pour y aller, hein. Tu viens en mode automatique et pour les lumières, tu viens par la forte. Né en 1256, ville nouvelle de Saint-Lizier, Montjoie, Bastide, devint Bastide forteresse fin du XIIIe siècle. Aujourd'hui, près de 800 ans elle aussi, forte de son riche passé,
Elle vous conte au fil de son hommage aux bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui, son histoire unique, histoire que vous découvrirez dans le livret documentaire présenté par l'association La naissance de Montjoie. Cris de peur et de douleur s'arrêtèrent enfin. Le choc des sabots et des armées devenu lointain, le chaos fit place au silence et au chant des oiseaux. Le feu s'était éteint, la fumée dissipée, la terre ne tremblait plus. Et de mille étincelles, sur des prés à nouveau verts, le soleil aussitôt se remit à briller. Cette année-là, l'apaisement retrouvé, la peur ayant quitté nos cœurs et nos corps fatigués, nous le vîmes approcher, une armure pleine d'éclat et au vent son panache. Un large manteau d'azur et de feu, orné du lys et de la tour, l'habillait d'or. Et, d'une fière allure, sur son grand et beau cheval, il avançait, semblant flotter au-dessus des herbes hautes, accompagné de son armée qui cheminait à ses côtés. Son regard perçant, curieux, balayait au-delà des prés. Il passa, s'arrêta, le temps soudain en suspens. Il revint sur ses pas, s'arrêta à nouveau, puis reprit son voyage. Il disparut au soleil couchant, derrière la colline, chevauchant tranquillement vers la grande cité voisine. Cette année-là, ils arrivèrent nombreux. Des chevaux, des bœufs, des chars remplis de pierres. Beaucoup d'hommes, des chevaliers aussi, un étrange matériel. Ils travaillèrent de nombreuses lunes, le jour, la nuit, sans s'arrêter, allant et venant, des centaines d'ombres pleines de poussière. Puis un jour, d'autres encore vinrent nous chercher. D'une voix rude et forte, ils nous firent aller vers ce mont. Chancelant d'un pas lourd et incertain, nous avancions. Et tout en haut, devant nous, majestueuse, une demeure toute dressée,
La maison de Dieu s'élevant en son milieu. Serrées les unes contre les autres, d'autres maisons l'entouraient. Elles paraissaient sourire, pleines de joie, semblant attendre. Les yeux émerveillés de tant de splendeur, nous, hésitants, inquiets, sans savoir, sans comprendre, un saut remis, chaque porte s'ouvrant, nous étions arrivés, nous étions chez nous.